Shalom, shalom. Désolé pour ce grand retard dû à un problème de connexion. On était prêt, on a fait tous les tests depuis hier, mais c'est pas de notre faute, la connexion a un problème. On a acheté les 5 gigas, les 3 gigas, les 7 gigas, on a même une fille pocket ici, mais apparemment c'est compliqué, donc désolé pour le retard. On aurait bien voulu que ce soit dans un cadre encore beaucoup plus convivial et tout, mais malheureusement, mais surtout aussi heureusement, hein, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc merci d'être là, pour ceux qui sont là, merci. Bienvenue à notre temps qu'on a commencé depuis un petit bout de temps là, la montagne de la transfiguration, là où on voit même le vrai visage du Christ, là où on voit le vrai visage du Christ, le Christ se révèle entièrement à nous, et là où il nous est donné de voir les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et d'entendre les choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, c'est un moment privilégié pour nous. Et nous sommes heureux de le partager avec vous. Surtout en ce moment de confinement, d'auto-confinement, peu importe. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons démarrer. Effectivement, j'espère que vous êtes connectés. Invitez vos amis, partagez la vidéo, démarrez des séances vidéo. Appelez-les, qu'ils viennent. Qu'ils viennent, on va partager ensemble ce moment. Donc, venez, venez, je veux vous voir connecté, comme je le dis nombreusement. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez bien. On va régler les petits soucis de son là. Dites-moi si vous m'entendez bien.
Le son est un peu faible. Ah, je vois qu'on dit le son est un peu faible. Mais j'ai quel autre moyen? Je ne sais pas comment faire. J'ai tout testé, j'ai tout essayé ici. Donc je dois parler plus fort. Dites-moi en commentaire si je dois parler plus fort pour qu'on puisse entendre. La Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu n'entends pas bien, tu n'auras pas la foi. Donc dites-moi si vous entendez bien. Il faut que vous puissiez bien entendre. Dites-moi si vous entendez bien déjà. Ou bien tu peux, Jordan, si tu peux rapprocher la caméra aussi. Peut-être que ça peut aider. Est-ce que si se rapproche comme ça, c'est bon? On entend bien. C'est bon? Sinon, il peut faire une petite mamaille aussi. Hein? C'est bon, hein? Donc, vous entendez aussi mon piano. On va adorer Dieu un peu, juste un moment, et puis après, on va partager la parole ensemble. Ils disent quoi? Celui qui n'entend pas, c'est. Ah, d'accord. D'accord. Donc, sans plus tarder, on va démarrer notre moment. Donc, je vous invite de là où vous êtes, de là où vous êtes à vous disposer. À vous disposer. Si vous avez des écouteurs, prenez vos écouteurs, mettez-les. Si vous pouvez vous retirer, retirez-vous un peu, soit dans votre chambre, bien quelque part, pour profiter pleinement de ce moment. Parce que nous nous sommes retirés aussi. Hein. Nous sommes retirés. On est dans une pièce. On est dans une pièce de la maison. Voilà, vu qu'on ne peut pas sortir, puis si on sort, il y aura. Le couvre-feu va nous attraper. Donc, on est retiré. Retirez-vous si vous pouvez. Prenez un moment, prenez vos écouteurs, votre casque. Prenez quelque chose pour profiter pleinement de ce moment. Donc, on va adorer le Seigneur ensemble un moment. Et puis, on va partager la parole. OK. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ton amour. Merci parce que tu disposes toutes choses. Tu fais toutes choses bonnes et utiles en son temps. Tu as bien voulu que nous soyons réunis ici, via ces canaux. Mais nous savons et nous croyons que cela n'est pas une limite à ton action, que cela n'est pas une barrière à ce que tu prévois faire pour nous, dans nos cœurs. Nous savons que, et nous croyons en ta parole qui dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, quand j'ai lu dans la Bible, j'ai pas vu que tu as précisé forcément le moyen de rassemblement. Et je crois fermement que tu parlais d'être unis dans le cœur, d'être unis en esprit aussi, pas seulement physiquement. Et c'est pourquoi je bénis ton nom du fait que tu sois présent là, avec nous, présentement. Je veux te célébrer, je veux te louer, et je prie que tes anges soient disposés, qu'ils soient là avec nous. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à entrer pleinement dans ce moment et à en tirer le meilleur profit. Et que ce moment-là puisse changer radicalement notre vie. Donne-nous de voir encore ton visage durant ce moment, comme à la montagne de la transfiguration. Béni sois-tu, Jésus. Sois-tu Jésus-Christ Nazareth? Merci pour ta présence. Ah.
Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Et tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le ressuscité, sauveur assis sur le trône. Tu es ressuscité. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le ressuscité, sauveur assis sur le trône. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le ressuscité, sauveur assis sur le trône. Tu es ressuscité. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le ressuscité, sauveur assis sur le trône. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le ressuscité, sauveur assis sur le ressuscité.
shani bo so kira ba 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 ba. L'intere bo 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 shani le yasambe ki antalusha. La mort ne t'a pas vaincu. Les bo ki narande shere bo so ra ba 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 ba. Me ki l'intere le bo 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 shenta ra ba 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 ba. Le so ra ba 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 ba. Le ki ne le bo 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 shenti re bo sata. Tu es ressuscité, tu es ressuscité. Les comptes rattachés, les robots sont bibliacanes, les robots chata. C'est pourquoi je t'adore, c'est pourquoi je te loue. Les mekinahane, les bossos, rabababababa. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Tu es le ressuscité, mes chanes, les bossos, rabababababa. Les kenahasou, les bossata. Esprit,
l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est présent dans son sanctuaire. Loué l'Esprit, loué. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Les brocha les rabababababa. Les bobos sont rabayakan et les bouches. Les bayasa les bayakan. Les sarabrayan et les bouches. Les sourayakan et les babayoum et les bouches. Les babababa. Les bras si les coupa. Les rébébébébébébébébé. Les chanarabababa. Redonne vie à nos corps mortels et son esprit. Mekanda la banouche. Réveille Satana Baba. Les comero chatara baba. Réponds à Vishnu. Réponds à Vishnu ce soir. Réveille à Kane les bouchana baba. Réveille surra baba 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 baba. Mais qu'il est sur la baïade de bouchata. Rekina la baba baba baba. Les bouchanelos. La bouchata, les kennes les bouchas, rabababababa, ni se coma, les bouchas, ni que les bandes à la couche, les baïocane, les bébé, meridia kata, kuba ou se les bocona, rabababa, resicata, les connes à la bouchata, rabababa, les bekia saka ou baroussi, meribe bouchata, reki rebe bouchata, la bababa, reki non sakata, les bouchete, me qui rebe bouchata, rabababa. Rebebe sona raba baba baba, reke le nosa, meki na kosha, rebe rebe ki asanu la busha e, deke rebo yo sona raba baba baba baba, le sura baba baba baba, le kunde le busha ta baba 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 shete, ta présence fait du bien. Tu es roi, respire en nous pour ce soir. Donne la vie de Dieu. Communique-nous la vie de Dieu. La vie de Dieu. Yes.
Parle-nous ce soir, Saint-Esprit. Révèle-nous encore le visage du Christ. Béni sois-tu, Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit béni. En ce soir, j'aimerais nous entretenir sur un thème, je ne dirais pas petit, mais un petit thème. Nous allons partager sur le thème « Nous sommes témoins du Christ ressuscité ». Nous sommes témoins du Christ ressuscité. C'est un thème qui est vraiment au cœur de l'actualité chrétienne en ce moment, parce que nous célébrons la résurrection du Christ. Nous sommes au deuxième dimanche de Pâques, du temps du Pâques, et nous sommes toujours dans la mouvance de la célébration de la résurrection du Christ. Mais vous savez, je vous le rappelle, hein, la mort et la résurrection du Christ sont le cœur même de notre foi chrétienne. C'est le cœur de notre foi chrétienne. C'est pourquoi Paul dit, si le Christ qui est mort n'était pas ressuscité, en fait, vaine serait notre foi. Et tout ce qu'on serait en train de faire, là, ce serait, comme j'ai dit quelque part, un gros théâtre, une grosse mise en scène. Ce serait de l'utopie, une illusion. C'est comme si on serait en train de courir dans le sac, comme on dit. Mais nous avons l'assurance, et même la ferme assurance, que le Christ est vraiment ressuscité. Donc, je veux déjà que tu te réjouisses de cela. Je veux que tu te réjouisses de cela, que le Christ est ressuscité, et il est ressuscité pour toi. C'est important que tu le saches. C'est vraiment important que tu le saches, mais surtout que tu le crois, que tu l'acceptes, et que tu vis selon cette vérité-là. Et ça sera le but de mon intervention ce soir, ce jour, ou bien ce soir en la montagne de la transfiguration. Encore bienvenue, encore bienvenue. Donc pour ceux qui nous prennent en cours, soyez la bienvenue à la montagne de la transfiguration. J'espère que vous me recevez parfaitement, que vous me recevez bien. Je vais essayer d'aller, pas forcément rapidement, mais d'aller quand même sur les points assez vite pour qu'on puisse comprendre l'essentiel du message. Alors, mon premier point, c'est il est vraiment ressuscité. J'avais déjà commencé là tout à l'heure. Le Christ est vraiment ressuscité. Vous savez, quand on parle de résurrection, on parle d'abord de mort. Et quand on parle de mort, c'est celui qui vit qui peut mourir. Donc, si nous disons que nous croyons en la résurrection du Christ, ça veut dire que nous croyons qu'il est mort. Si nous croyons qu'il est mort, ça veut dire que nous croyons aussi que le Christ a vécu. Si nous croyons que le Christ a vécu pour connaître la mort comme tous les hommes, ça veut dire que nous croyons vraiment qu'il est né. Il est né comme nous. Et si nous croyons qu'il est né comme nous, remontons à l'incarnation de Jésus, à la naissance de Jésus, disons. La naissance de Jésus n'est pas une naissance banale. Parce que c'est vrai que c'est une naissance qui s'est produite selon les procédés humains, j'ai envie de dire. Il a été formé dans le ventre d'une femme et tout ça. Mais il y a quelque chose, une vérité spirituelle qui est derrière. Sa conception n'a pas été la même que les autres. Ce qui fait de lui quelqu'un de spécial, de particulier. C'est Dieu qui s'est incarné, qui a pris la condition d'homme et qui est né en fait comme un homme.
Et c'est parce que justement, il a pu naître comme un homme qu'il a pu mourir comme un homme. Mais ce qui s'est passé après sa mort, c'est ce qui donne tout le sens ou tout son sens à la foi que nous proclamons. Parce que même s'il est né comme un homme, qu'il a vécu comme un homme, sauf, il a tout vécu comme un homme, mais il n'a pas péché, c'est-à-dire qu'il a tout vécu sauf le péché, il a tout connu sauf le péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été tenté, il a été bien sûr tenté, mais il n'a pas commis le péché. Donc, il est né comme un homme, il a mangé comme toi et moi, lui Jésus aussi dormait, Jésus aussi se fatiguait, donc il a vécu comme un homme, mais il est mort aussi comme un homme. Il est mort comme un homme, j'ai envie de dire même comme le moindre même des hommes sur la terre, parce qu'il est mort comme un bandit, comme un malfrat, on l'a tué, on l'a crucifié, lui qui n'avait rien fait. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que son après-mort n'a pas été comme un homme. Son après-mort n'a pas été comme un homme. C'est vrai, il est mort comme un homme. Mais après sa mort, 3 jours après, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire d'un homme s'est produit ce jour-là sur toute l'étendue de la surface de la terre. Quelque chose s'est produit. C'est que celui qu'on a enterré, il est sorti. En fait, personne ne l'a vu sortir, mais on sait une seule chose. La pierre a été roulée. On est parti regarder dans le tombeau, il n'était plus là. Et après, il a paru à des gens. Il leur a parlé. Ces personnes-là l'ont touché. Ça veut dire que ce mec-là, il est revenu à la vie. Et ça, nous devons le croire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas très évident. Surtout pour ceux qui ne sont pas chrétiens, de croire que Jésus est vraiment ressuscité. Ça paraît vraisemblable. Parce que justement, on n'a pas encore expérimenté ça pour un homme. On n'a encore jamais vécu ça. Et même après lui, on n'a pas encore vu quelqu'un qui se soit relevé lui-même après qu'il soit mort. Toutes les résurrections qu'on a vues, auxquelles on a assisté jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui prie pour son ami et puis la personne revient à la vie. Mais après, la personne meurt. Encore une deuxième fois. Mais pour lui, personne n'a prié pour lui. C'est là que c'est extraordinaire. C'est ce qui fait de la résurrection de Jésus quelque chose d'extraordinaire. Personne n'a prié pour lui. Personne n'est intervenu. Lui-même, il s'est levé d'entre les morts. Et c'est là que sa parole qui dit, ma vie, personne ne la prend. Personne ne me la prend. Mais c'est moi qui la donne. Et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Ça veut dire même que Jésus, là, cette affaire de vie là, en fait, le gars, il est quelque part d'autre. Parce que c'est quelqu'un qui possède la vie. Et lui-même, il a dit, je suis la vie. Donc, il est capable de se donner et de se reprendre. Il y a quelque chose de particulier avec celui-là. C'est ce qui fait de Jésus-Christ de Nazareth quelqu'un d'extraordinaire pour nous. Et c'est ce qui fait de sa mort quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui fait de sa vie quelque chose d'extraordinaire pour nous. Parce que ça dépasse l'entendement humain. Et sa résurrection a des répercussions sur notre vie. Et ça, j'en viens, ça sera notre deuxième point. Mais je veux insister, Jésus est vraiment ressuscité. Et si, je veux dire, pour les sceptiques vont demander, mais qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve que Jésus est vraiment ressuscité? Je vais partir sur un argument logique d'abord. Simplement, on dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la conséquence du péché, c'est la mort. Quand tu pèches, la récompense que tu as, c'est de mourir. Mais pour ceux qui ont relaté, ceux qui ont vécu avec Jésus et qui ont raconté l'histoire de sa vie, qui nous ont permis de connaître et d'avoir accès à l'histoire de sa vie au travers des Saintes Écritures et puis au travers des différents témoignages des personnes qui ont vécu dans le temps, ce qu'on appelle la tradition de l'Église, ce qui a été raconté jusqu'à présent et tout ça,
Ces témoignages rapportent que Jésus n'a pas péché. Il n'a pas fait quelque chose qui a désobéi à Dieu, ou bien qui était contre la loi de Dieu. En tout cas, de tous les témoignages qu'on a entendus jusqu'à présent, on n'a pas entendu que Jésus ait fait quelque chose qui est contre Dieu, qui est contre la loi de Dieu, et même qui est contre l'homme. À plus forte raison, qui est contre lui-même. On n'a pas entendu dans tous les témoignages que vous allez entendre sur Jésus, sur l'histoire de sa vie, vous n'allez jamais entendre qu'il a péché, qu'il a insulté, qu'il a volé, qu'il a... Jamais de jamais. Ça veut dire que la conséquence du péché ne pouvait pas s'appliquer à lui. C'est logique. C'est logique. Ce qui a fait qu'on a connu la mort, c'est le péché. Rappelez-vous dans la Genèse, Adam et Ève. Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tout, sauf de ce fruit-là, qui est au milieu. Parce que le jour que vous allez manger, vous allez mourir. En fait, vous allez être séparés de Dieu. Et si vous êtes séparés de Dieu, vous allez faire n'importe quoi. Et il y aura une répercussion physique même. Vous allez mourir, vous n'allez pas pouvoir vivre pendant très longtemps. Vous n'allez pas vivre pendant longtemps et puis ça va affecter votre vie. Il y a des, je ne sais pas si vous faites attention quand vous lisez, mais j'ai lu des textes de la Bible où on dit quand Adam et Ève ont péché, là, les fleurs et les plantes qui étaient là ont commencé à avoir des épines. On dit le mal a commencé, le mal est entré dans le monde. Et le monde a commencé à affecter même la nature. Même la nature. Donc, une parenthèse, pour ceux qui pensent que quand ils pêchent, il n'y a pas de répercussions dans leur vie physique, détrompez-vous. Peut-être que vous n'allez pas le constater tout de suite, mais il y a une répercussion sur votre vie physique. Absolument, oui. Et même si votre environnement, ça réjaillit, ça se répercute forcément. Donc, autant de fois que tu pourras, s'il te plaît, évite le péché. Évite autant de fois que tu pourras, évite. Parce que déjà, mais ça blesse ton âme. C'est-à-dire, ça te sépare de Dieu un peu. Ça te sépare de Dieu. Ça blesse ton âme, ça laisse une séquelle, ça laisse une blessure. Et puis en plus, ça affecte ton environnement physique. Donc, c'est quelque chose avec laquelle on ne peut pas s'amuser. Bref, donc, Adam et Ève ont péché. Nous, on s'est séparés. On a connu la mort. Donc, c'est à cause de cet acte-là que la mort a commencé à frapper les humains. Donc, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais, comme j'ai dit, de tous les témoignages sur le Seigneur, on n'a pas entendu que Jésus ait péché. Jamais. Du coup, la conséquence du péché ne pouvait pas s'appliquer à lui. Il va de soi que la mort ne pouvait pas le retenir. C'est pourquoi quand on chante, on dit « car la mort n'a pas pu le retenir. » Car la mort n'a pas pu le retenir. La mort ne l'a pas vaincu, parce que justement la mort ne pouvait pas le vaincre. Parce que ce qui fait que la mort peut atteindre quelqu'un, c'est son aiguillon. On appelle, vous savez ce qu'on appelle l'aiguillon de la mort. À Pâques, pour ceux qui ont suivi un peu les célébrations eucharistiques, mais qui ont eu la grâce de participer à une célébration eucharistique à huis clos, ou bien même si vous avez déjà fait les célébrations eucharistiques, vous avez déjà fait attention aux textes qu'on lit. On entend souvent, ô mort, où est ta victoire? Ou bien, ô mort, où est ton aiguillon? En fait, l'aiguillon de la mort, là, c'est ce dont la mort se sert pour attaquer. Donc, c'est la cause, ou bien c'est le prétexte que la mort utilise pour attaquer quelqu'un, pour atteindre quelqu'un. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, on dit le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. On est en train de dire aussi que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est la même chose. Donc, comme lui n'avait pas péché, il ne pouvait pas connaître la mort. Tant spirituelle que physique. Donc, ça, c'est un argument fort qui prouve que Jésus est bel et bien ressuscité. Même si toi-même, tu ne l'as pas vu de tes propres yeux, que tu ne l'as pas touché comme Saint Thomas aujourd'hui, qu'on a entendu dans les évangiles. Donc, à cause de ça, ce premier argument, tu dois croire déjà. C'est quelqu'un qui n'est pas comme nous, qui n'a pas péché comme nous on a péché là. Lui n'a pas fait ça, il n'a pas connu. Donc il ne peut pas connaître le même sort que nous. Il ne peut pas connaître le même sort que nous. Du coup, la mort ne pouvait pas le retenir. Le deuxième argument, c'est le témoignage qu'on a. Quand Jésus
est mort et qu'il est ressuscité là. Il y a eu plein de personnes qui l'ont vu. La Bible le relate. Il y a même des personnes, même de notre temps moderne ici, qui disent avoir fait l'expérience d'une apparition du Christ. Il y a d'autres même qui étaient dans une telle dimension qu'ils ont réussi à le toucher. Il y a des gens qui vivent aussi des choses extraordinaires à cause de ce Jésus-là qui est ressuscité. Des gens continuent de faire des folies pour lui. On construit des hôpitaux. Il y a des gens au nom du Christ qui font des choses. Les amis, si le Christ n'était pas vraiment vivant, en fait, je vois mal quelqu'un en train de faire, de se sacrifier ou bien de faire des grandes choses pour une cause qui n'est même pas vérifiée, qui n'est même pas vraie. Non. Les témoignages sont légion. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes entourés par une légion, une nuée de témoins. Il y a tellement de témoins, tellement de personnes qui témoignent vraiment que Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts, qu'il est vraiment vivant, malgré le fait qu'il ait connu cette mort physique là. Mais la mort n'a pas pu le retenir. 3 jours seulement, il est sorti. Il y a plusieurs personnes qui témoignent de ça. Les amis, je ne pense pas qu'un Espagnol prenne son téléphone, aller appeler un BT, et puis commencer à lui parler pour dire, passons-nous le mot. Hein. Si les gens nous demandent, est-ce que le gars, il est vraiment risqué, il faut lui dire oui. Combien de personnes vont prendre le téléphone dans tout le monde entier, là, pour se passer le mot, pour se passer le mot, pour se passer le mot, pour dire que, si on nous demande, on n'a qu'à dire que Jésus est vraiment ressuscité pour que ça fasse un complot. Personne. Ce n'est pas possible. Regardez même aujourd'hui, une simple vérité que tu vis personnellement toi, chez toi à la maison. Hein. Il suffit d'une seule personne, on balance les réseaux sociaux puis c'est fini. Ou bien on peut avoir plusieurs fake news. Plusieurs fake news en même temps. Mais les amis, ça là, il ne peut pas avoir fake news pour ça. Résurrection de Jésus, hein, ce n'est pas fake news. C'est la vérité. Parce que tout le monde ne peut pas mentir délibérément comme ça. Il y a forcément quelqu'un qui va se poser une fois. Il va dire, mais les gars, à un moment donné, c'est bon, on a trop emmerdé le monde avec ça. À un moment donné, disons-le la vérité. Les gars, si jusqu'à présent, cette vérité-là subsiste, si cette information-là subsiste, c'est qu'elle est vraie. Parce que la seule chose qui dure dans le temps, c'est la vérité. C'est la vérité. On dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le voleur, là, c'est celui qui ment. C'est le propriétaire du mensonge. Mais il y a forcément un jour pour le propriétaire, pour la vérité. Et quand ce jour-là arrive, la lumière est faite sur le mensonge. Et cette vérité-là subsiste à jamais. Cette vérité-là subsiste à jamais. Vous savez, les amis, avant, on ne savait pas que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse était égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On ne savait pas. Mais une fois qu'on a su ça et qu'on a vérifié, on a vu que c'est vrai. Jusqu'à présent, les amis, on monte en descente, ça ne peut jamais être le contraire. Ça ne peut plus être le contraire. Peut-être que dans notre référentiel, lui, hein. Mais tant que c'est un rectangle là, ça sera toujours ça. Ça sera toujours ça. Et c'est pareil pour le témoignage de Christ. C'est une vérité, point. Elle subsiste jusqu'à présent. Et on ne peut pas nier cette vérité-là. Donc, pour ceux qui ne croient pas, les amis, ce n'est pas un complot. Tout le monde ne peut pas mentir comme ça délibérément. C'est vrai. Le Christ est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est pourquoi, quand on dit Pâques, là, on est content. Nous, les chrétiens, on est content. Parce qu'on sait que c'est vrai. On est convaincu à l'intérieur de nous-mêmes. En plus, il y a le témoignage intérieur. Il y a le témoignage intérieur. Il y a le témoignage intérieur. Donc, les amis, ne doutez pas. Ne faites pas comme Thomas. Même si on n'a pas vécu avec Jésus, même si on ne l'a pas touché, même si on ne l'a pas vu de nos propres yeux, croyons. On dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Croyons qu'il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Une autre preuve, c'est quoi? C'est que son nom continue d'agir. Il continue d'agir jusqu'à maintenant. Il continue d'agir jusqu'à maintenant.
Ça veut dire que dans son nom, il y a de la vie. Si dans son nom, il n'y avait pas de la vie, c'est-à-dire si lui-même n'était pas vivant, qu'on va dire au nom de Jésus ou bien on va faire quelque chose en son nom-là, ça n'est pas marché. Ça n'est pas du tout marché. Ça n'allait pas du tout marcher. Mais ça marche et ça fonctionne. Ça marche et ça fonctionne très bien. Ça marche et ça fonctionne très bien. Si vous voulez, bon, je ne vais pas vous demander de faire cette expérience-là. Hein. Mais pour ceux qui ont déjà vécu ça, quand tu te retrouves dans un environnement où c'est que des sorciers qui sont autour, ou bien que ce sont des zones négatives, quand tu prononces le nom de Jésus, ça fait quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Ça dérange. Il y a quelque chose qui fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu invoques Jésus, quand tu invoques Dieu, parce que tu crois en lui, il se fait présent. Il est là en même temps. Il est là en même temps. La preuve qu'on adorait au début, je ne sais pas pour vous, mais la présence de Dieu est vraiment là. Quoi. Les amis, ce n'est pas quelque chose. Je n'ai pas besoin d'avoir une expérience sensorielle forcément. Mais je vous dis, la conviction que le mec, il est présent, il est là actuellement, là, il est là. Quand tu dis son nom, il est là, il est présent. Donc c'est une preuve que même si on ne le voit pas spirituellement, de façon invisible, il est là, il est présent. Ouais, il est là. Il est bel et bien présent. Et c'est pourquoi on peut lui parler. C'est pourquoi on peut s'adresser à lui. C'est pourquoi on peut lui demander des choses. C'est pourquoi il peut entendre notre prière et qu'il peut l'exaucer. Son nom continue d'agir. Son nom continue de faire le même effet qu'il faisait avant. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Donc, une des preuves que Jésus est vraiment ressuscité, c'est la puissance de son nom. Il y a des gens qui ont existé avant, c'est vrai. Leurs noms peuvent être utilisés comme des laissés-passer dans certains coins. Mais c'est limité et ce n'est pas partout. Mais Jésus a dit, il a reçu tout pouvoir de son Père pour dominer toute chose. Ce qui fait que dans n'importe quelle situation qui te domine, lorsque tu appelles le nom de Jésus, tu commences à dominer la situation. Parce que ce nom-là domine toute chose. Parce qu'il a reçu tout pouvoir. Donc il y a de la puissance dans son nom. Je ne vois pas le nom de quelqu'un qui est aussi puissant si la personne est morte. En fait, je ne vois pas. Ça ne fait rien. Mais que la personne ait en vie, son nom a de la puissance, son nom a de l'autorité. Parce que même si quelqu'un avait un certain pouvoir sur la terre, et que la personne meurt, si on invoque son nom, le nom de la personne, on va dire, oh, ça c'était avant. Oh, ça c'était avant, mais maintenant là, c'est plus ça. Ça c'était avant, mais maintenant c'est plus ça. Mais pour Jésus, là, c'est pas comme ça. On ne dit pas ça c'était avant. Ça marche. Ça continue d'agir parce qu'il y a de la puissance dans son nom. Il y a de la puissance dans son nom. Il y a de l'autorité dans son nom. Il y a de l'amour aussi dans son nom. Son nom continue d'agir. La dernière chose. Hey, laissez-moi regarder mes notes. Hein. La dernière chose qui prouve que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts, c'est que les gens s'est vêtus à démontrer que c'est faux. Ça peut paraître bizarre. Mais les amis, on ne peut démontrer que quelque chose est faux seulement si c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que les gens s'est vêtus à démontrer que c'est faux. C'est la preuve que c'est vrai. Pourquoi? Parce que pourquoi ils sont si acharnés sur le fait que non, c'est faux, Dieu n'existe pas. Non, c'est, pourquoi ils sont si acharnés dessus? Pourquoi? C'est une grande question qu'on se pose. Pourquoi? Les amis, allez comprendre que c'est parce qu'ils savent que c'est vrai qu'ils cherchent à montrer que, à faire croire que c'est faux. Ils cherchent à faire croire que c'est faux. Parce que si plusieurs personnes disent que c'est faux, en fait, pour eux, ça va commencer à devenir comme une vérité. Et c'est le grand danger aujourd'hui. Ce que tout le monde pense là, on pense que c'est ce qui est vrai. Ce que tout le monde pense là, on pense que c'est ce qui est vrai.
Nous, en tant que chrétiens, on est un référentiel. Chez nous, la vérité, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une information. La vérité est une personne chez nous. C'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité chez nous, c'est une personne. Et c'est une personne en qui on croit. Et on croit fermement. C'est une personne qui existe pour nous. Qui est vraie, qui est véritablement là, présente. Donc, elle ne peut pas être une fiction. Les gens s'évertuent à démontrer que Dieu n'existe pas. Que c'est faux. Que y a pas de la puissance dans le nom de Jésus. Que Jésus n'est pas véritablement ressuscité. Que les histoires de Dieu là-haut, c'était avant. Les amis, c'est faux. C'était pas avant. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est toujours actualisé. Si c'est vêtu, si ils forcent, ils font tout le micmac juste pour prouver que c'est faux, c'est parce que c'est vrai. C'est parce que foncièrement eux-mêmes, ils savent que c'est vrai. C'est juste qu'ils refusent cette vérité-là. Ils ne veulent pas l'accepter. Parce que s'ils l'acceptent, ça va compromettre leur plan. Parce que ce sont des gens qui sont orgueilleux, qui veulent vivre d'eux-mêmes. Parce que s'ils acceptent la vérité de Jésus, ça veut dire qu'ils vont commencer à marcher selon son enseignement. Qui est un enseignement objectif, qui prend en compte l'autre, qui fait en sorte que même si tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de richesses et tout, tu es capable de te dépouiller de tes richesses pour que l'autre aussi partage la même chose avec toi. Mais eux, ils ne veulent pas. Ils sont remplis de l'orgueil, ils sont remplis d'eux-mêmes. Donc, ils s'évertuent à démontrer que c'est faux pour ne pas vivre selon ces principes de charité, ces principes de foi, ces principes divins, ces principes de Dieu. Ils s'efforcent. Et il veut entraîner plusieurs personnes là-dedans. Mais je ne veux pas que toi, tu sois entraîné dans ça. Refuse. Refuse de croire que Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Refuse de le croire. Voilà, moi je vais terminer ce premier point. Si tu veux approfondir, je te conseillerais de regarder deux films en particulier. Ou bien trois films qui m'ont marqué. Il y a Jésus l'enquête. Franchement, je n'ai pas fait de recherche pour savoir qui a fait, qui a réalisé tout, mais retiens. Peut-être qu'après, on va essayer de partager, qu'on appelle ça, les réalisateurs, ou bien le lien et tout ça. Si Jordan peut écrire les titres là. Jésus, l'enquête. Et puis, Dieu n'est pas mort 1. Et puis, Dieu n'est pas mort 2. Il y a même le 3 qui est sorti. Voilà, donc ça fait 4 choses à visionner. Jésus, l'enquête. Qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est trop scientifique, un journaliste qui se base sur des faits réels pour conclure que toute cette affaire de Dieu-là, c'est vrai ou faux. Voilà. Jésus l'enquête. Dieu n'est pas mort. 1, 2 et numéro 3. Qui apporte des arguments assez solides pour faire comprendre que, en fait, on est en train d'essayer de nous faire croire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas mort, que Dieu est mort. Alors que c'est tout le contraire. Il est bel et bien vivant. Donc, je vous encourage à visionner, pour ceux qui n'ont pas encore visionné, à visionner ces films-là. Ils vont vous faire beaucoup de bien. Ils vont vous affermir dans votre foi. Ils vont vous affermir dans votre foi. Au lieu d'écouter des raisonnements ça et là, je vous encourage à regarder ces différents films. Voilà. Donc, Jésus est vraiment ressuscité, mais quels sont les bénéfices pour nous? Quels sont les bénéfices pour nous? Il y a deux. C'est principalement deux choses, hein, mais qui découlent, en fait, desquelles découlent plusieurs choses. Deux choses principalement, qui consistent dans la mort, justement dans sa mort et dans sa résurrection. On a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand Jésus est mort, alors qu'il n'avait pas péché, ce qu'il faisait, c'est qu'il détruisait le pouvoir de la mort dans l'humanité. Il était en train de détruire le pouvoir de la mort. Donc, il était en train de détruire notre ennemi qui est la mort. Ce qui fait qu'on est séparé de Dieu là. Il était en train de détruire ça. Donc, il était en train de détruire le pouvoir du péché sur nous. C'est ça qu'on dit, il nous sauve là. Quand dit Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés là. C'est-à-dire, on a fait quelque chose qui nous condamnait, qui nous rendait esclaves, qui nous séparait de Dieu. Qui nous condamnait éternellement. Lui, en mourant alors qu'il n'avait pas péché, il détruisait ce pouvoir-là. Il détruisait carrément ce pouvoir.
Parce qu'il est descendu aux enfers pour aller proclamer la bonne nouvelle à ceux qui étaient morts dans l'espérance de la résurrection. À dire ceux qui avaient vécu conformément aux lois de Dieu, qui s'étaient forcés à vivre selon les lois de Dieu, je veux dire, il est allé les chercher pour leur prouver qu'ils n'ont pas vécu ces commandements-là en vain. Donc toi, tu penses que tu es en train de suivre le Seigneur, tu t'efforces de ne pas voler, de ne pas tricher. Ne pense pas que c'est vain. Non. Si Jésus même est allé chercher ceux qui ont vécu avant lui, mais qui ont vécu selon Dieu, imagine-toi ton cas maintenant. Toi qui vis selon Dieu, Jésus a déjà accompli tout ce qu'il devait accomplir. C'est clair que si tu vis selon le Seigneur, tu vas recevoir cette vie-là. Donc, principalement, la première chose, le premier bénéfice, c'est que ce qu'on ne pouvait plus faire avant, on peut faire ça maintenant. Parce que justement, on est sauvé et qu'on est raccordé à Dieu maintenant. On est réconcilié avec Dieu. On a retrouvé notre origine. On est rétabli de notre dignité d'humain. On est rétabli de notre dignité de fils de Dieu. Donc, on peut continuer à agir comme Dieu agit. On peut maintenant ressembler à Dieu. On peut maintenant refléter toute cette gloire de Dieu-là. On est encore éligible à cette gloire de Dieu. On est capable encore de recevoir Dieu en nous. On est capable de le voir face à face. On est capable de parler comme lui. On est capable de réfléchir comme lui. On est capable de marcher comme lui. On est capable d'agir comme lui. On est capable d'opérer comme lui. Il nous a sauvés de la mort. Donc, il nous a délivrés de cette fatalité-là. Il a supprimé carrément le pouvoir de la mort. Carrément. Donc, en mourant, c'est ce qu'il a fait. C'est le premier bénéfice. C'est quelque chose qui est vraiment salutaire. Ça veut dire qu'on peut tout recommencer. Et c'est justement ça le deuxième bénéfice. En revenant à la vie, il nous donne une nouvelle vie. C'est une manière de nous dire, l'ancienne vie que vous avez menée là, apparemment, à cause du péché, vous n'avez pas réussi à entrer pleinement dans mon plan. Donc, je vois qu'elle est corrompue, elle ne peut pas vous aider à atteindre pleinement la vocation ou le but pour lequel vous avez été créé. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en revenant à la vie, plutôt que de vous donner ce qu'on avait, a dit qu'Adam qui a été tiré de la terre. Adam qui a été tiré de la terre. Et le serpent qui mange le talon de la femme pour signifier qu'il corrompt la nature humaine. Donc il y a le péché originel qui est ancré à la nature humaine. Adam qui est tiré de la terre. Donc qui est fait à partir de poussière, à partir de boue et tout ça. Donc qui est corrompu, n'a pas réussi ce que Dieu attendait de lui. Il n'a pas réussi. Et comme il n'a pas réussi, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa vie qu'il a eu à faire, qui a marqué toute la nature humaine. C'est pourquoi on dit, nous tous qu'on est là, il y a le péché originel en nous. C'est à cause de Adam. C'est ce qui fait que tu es enclin au mal. C'est ce qui fait que souvent, le mal que tu n'as pas envie de faire là, tu fais. C'est ce qui fait que souvent, quand tu es en train de faire du mal, ton premier réflexe, ce n'est pas de lui pardonner, hein, c'est de chercher à lui rembourser. C'est ce qu'il fait. C'est à cause du péché originel, à cause de ce qu'Adam a fait. Donc, ça ne peut pas t'envoyer à Dieu, qui est ta finalité. Du coup, Jésus dit quoi? Je meurs. D'abord, je détruis et je supprime. Ce qui fait que tu ne peux pas vivre pleinement comme je te demande là. Mais mieux, je te donne une nouvelle vie. Cette fois-ci, tu n'es pas tiré de la terre, non, mais tu es né d'en haut, directement de moi. Tu nais directement de Dieu. C'est pourquoi en Jean, rappelle-moi le verset là, Jordan, c'est Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, c'est ça ou bien c'est quoi? C'est Jean 3, verset 16, je sais. Jean 3, 16. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, on dit, lesquels ne sont pas nés d'une volonté humaine, non de la chair, du sang, d'une volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que maintenant, quand tu crois en Dieu,
En fait, comme j'ai l'habitude de dire, ton papa n'est plus ton papa. Jean 1, 12. Merci, merci, Jordan. Jean 1, 12. Moi, les coraux ne sont pas forcément au point de ma tête. Jean 1, 12, c'est Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il dit, quand tu crois en Jésus, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu acceptes cette nouvelle vie-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton papa biologique n'est plus ton papa biologique. Depuis ton vrai papa. Ta maman biologique n'est plus ta maman. C'est Dieu maintenant qui est ton papa et qui est ta maman. Attention, ça ne veut pas dire que tu as, que tes parents biologiques sont devant toi, tu les négliges. Non, au contraire, leur pouvoir commence à prendre tout le sens. Pourquoi? Parce que au travers de Dieu, tu ne les respectes pas. C'est comme si en fait tu n'as même pas pris la vie de Dieu là-même. Ils sont là comme des guides, comme des repères. Vous voyez, on dit, quand David dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, tout, tout, tout. Et puis il continue en disant, ta houlette et ton bâton sont là, ça me rassure là. Ton papa et ta maman là, c'est la houlette et le bâton de Dieu à côté de toi. C'est la houlette et le bâton de Dieu à côté de toi. C'est ce que c'est les deux choses que Dieu utilise pour te conduire sur son chemin. Donc, si tu ne restes pas tes parents, pardon. Sois une brebis docile. Laisse-toi éduquer, laisse-toi façonner par Dieu. C'était une parenthèse. Donc Jésus nous donne la nouvelle vie. Cette vie Zoé de Dieu. Cette vie qu'on reçoit, cette vie qui n'a pas de fin, qui commence aujourd'hui, qui commence dans notre humanité ici sur la terre, mais qui n'a pas de fin. Et ça change plein de choses dans notre vie. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, quand on naît à cette nouvelle vie-là, on ne recherche plus les choses d'ici-bas. On ne vit plus pour la terre. On vit pour le ciel. Ça impacte directement notre vie. Ça impacte directement notre vie. On a détruit le pouvoir du péché. Ça veut dire que maintenant, on est capable de notre volonté pour dire non à Satan. Ce qu'on ne pouvait pas dire avant. C'est comme si c'était en nous, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut renoncer au mal. C'est pourquoi ceux qui sont baptisés, vous voyez que à l'église, on dit renoncez-vous au mal. C'est parce que on sait que tu as la possibilité de renoncer au mal maintenant, avec ce que Jésus a fait. On a la possibilité de dire non à Satan délibérément. On a la capacité de ne plus succomber à la tentation. On a la capacité de rejeter Satan et de ne pas pécher, je dirais ça comme ça. On a la capacité parce qu'on peut exercer pleinement notre choix pour dire, je choisis de ne pas pécher. Tu peux le décider. Bien sûr, pas de tes propres forces, mais en acceptant justement cette vie de Dieu. Donc, les bénéfices, les voici. Si on a détruit ce qui faisait que tu étais séparé de Dieu et que maintenant tu peux être connecté tout le temps à Dieu. Tu imagines l'énorme possibilité des choses que tu peux faire maintenant. En plus, tu as une information selon laquelle ta vie, en fait, ne s'arrête pas seulement sur la terre, mais qu'elle continue et qu'elle continuera dans l'éternité. Même quand tu vas mourir physiquement, tu es capable de vivre encore. Ta vie continue. C'est pourquoi on a le témoignage de certains saints en particulier, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Bien, c'est parce qu'elle sait qu'elle va vivre après sa mort. Qu'elle peut dire ça, elle sait que sa vie va continuer. Donc nous, on le sait, une fois qu'on accepte Jésus, on bénéficie de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection. Donc, les bénéfices sont énormes. On ne peut pas tout citer. Par exemple, si tu as mal fait quelque chose aujourd'hui, parce que justement Jésus nous a pardonné, il nous a réconcilié avec Dieu, tu es capable de rattraper ton erreur. Tu peux mal commencer quelque chose aujourd'hui, demain tu vas bien faire. Ça, c'est un des bénéfices. Ça, c'est un des bénéfices du fait qu'il a détruit le pouvoir du péché. Parce que vous pouvez le péché te mettre une histoire de tu as fait l'erreur, c'est fini, tu ne peux plus rattraper. Tu as fait l'erreur, c'est fini, c'est fini, c'est fini, tu ne peux plus rattraper. Non. On dit, il a détruit ce pouvoir-là. Il ne nous rend plus esclaves. Et ce n'est pas parce que tu as péché une fois aujourd'hui, en même temps, tu es esclave du péché. Non.
tu peux renoncer. Tu peux dire, c'est vrai, j'ai péché, mais j'accepte la vie de Dieu. J'accepte la miséricorde de Dieu. Comment canceller la miséricorde d'aujourd'hui? J'accepte la miséricorde de Dieu. J'accepte le fait que Jésus soit mort pour moi à la croix. Donc, il a pardonné mes péchés. Il m'a donné la possibilité de recommencer à zéro et de bien faire. Et j'accepte la vie de Dieu en moi pour vivre comme il me demande de vivre. Et pour que ma vie aussi profite, non seulement pendant mon temps que je vais faire sur la terre, mais aussi lorsque je ne serai plus sur la terre, que ma vie aussi profite à ceux qui seront là. Les bénéfices sont énormes. Les bénéfices sont énormes. Donc, je vous invite à croire fermement parce qu'il y a des trésors qui sont enfermés là-dedans. Il y a vraiment des trésors que seule ta foi pourra. Voilà. C'est ta foi en la mort et en la résurrection du Christ là, qui pourra aller chercher les trésors là pour que tu puisses en profiter dans ta vie de tous les jours. Donc, crois. Je vais encore te dire, crois, s'il te plaît. Ne doute pas. Crois pour que tu reçoives ces bénéfices-là. Venons-en à au cœur même de mon message. Nous sommes témoins de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est un témoin. Oh! Un témoin, de façon claire et simple, hein, un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu, ou qui a entendu, ou qui a vécu une situation, donc qui a une information oculaire ou bien auditive d'un fait, qui a assisté à quelque chose et qui rend compte, qui témoigne de ça. Donc, quand on dit on est témoin de Jésus-Christ ressuscité, ça veut dire qu'on a expérimenté ça. On a expérimenté le fait qu'il soit mort et ressuscité là. On a expérimenté, du coup, on rend compte de ça. Mais je vais pousser encore plus loin pour te faire comprendre quelque chose. Nous, quand on dit on est des témoins, ça veut dire que nous sommes des T, la lettre T, moins. C'est-à-dire qu'on a enlevé la lettre T. Et quand je dis on a enlevé la lettre T, vous voyez la lettre T, elle est en forme de croix. My God, tu n'as pas compris quelque chose. Elle est en forme de croix. Et pour ceux qui connaissent un peu le grec et tout, et même ceux qui sont habitués, qui sont fans des franciscains ou bien des communautés religieuses, là, vous allez voir qu'il y a une croix qu'ils utilisent beaucoup. La croix, mais qui n'est pas... Comment faire pour dire? Je n'ai même pas un dessin ici. Attendez que je prenne. Oh. Je ne sais pas s'ils vont voir. Hein. La croix, c'est pas cette croix-là. Mais c'est cette croix-là qu'ils utilisent beaucoup. Et ça, c'est le T. Et quand nous, on dit qu'on est des témoins, c'est-à-dire que cette croix-là, on l'a supprimée. On l'a supprimée. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça nous renvoie un message pour vous dire ce qui pensait nous détruire, là, ça a été supprimé. Voilà, c'est exactement cette croix que je présente. C'est de cette croix que je parle. Le taux, oui, justement, c'est ça. Le taux. D'autres vont parler de TAV aussi. La lettre T. C'est le taux. Vous dites qu'on a supprimé la croix. Donc, on a supprimé la souffrance. Et tout ce qu'on a retenu, c'est qu'il n'y a que le Christ. Il n'y a plus de croix. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de mort. Il n'y a que le Christ qui est vrai pour nous. Il n'y a que le Christ qui est vrai pour nous. On dit pas qu'on est chrétien, qu'on est témoin comme ça dans le vide. Non. On dit que nous sommes un chrétien, c'est quelqu'un qui est témoin du Christ ressuscité, mort et ressuscité d'entre les morts. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a décidé de supprimer la croix, qui croit au fait que la croix a été supprimée, qui croit au fait que Jésus a détruit la mort, qu'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de croix, il n'y a plus de thé. Il n'y a que le Christ qui soit vrai. Parce que jusqu'à présent, si tu vas à Golgotha, la croix, je ne sais pas si la croix est encore là-bas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a les fragments de la croix et tout ce qui sont restés.
Je ne pense pas qu'elle soit restée indemne, je ne pense pas qu'elle soit encore sur le mont là-bas. Parce qu'elle était faite en bois. Et c'est tellement que les intempéries ont dégradé ça. En tout cas, si c'est resté là-bas, mais je ne pense pas. Aujourd'hui, quand on pense Golgotha, au lieu de penser souffrance, on peut dire, waouh, voici le lieu qui nous a valu tout notre salut. On ne voit plus de croix à Golgotha. On ne voit que le Christ qui est passé là-bas. Et c'est ce qui se passe lorsque tu acceptes Christ, que tu décides d'être témoin de Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive, peu importe les souffrances que tu vis, peu importe les Golgotha qui sont dans ta vie, peu importe les croix qui sont plantées là, ou peut-être l'ennemi ou la vie voulait te clouer, ou bien auquel la vie t'a cloué, Jésus vient supprimer ça parce que tu es un témoin et tu as enlevé la croix. Tu as enlevé la croix. Du coup, j'aime pas trop le rapport des chrétiens vis-à-vis de la souffrance. Je ne comprends pas notre génération d'aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas trop comment est-ce qu'on perçoit les choses. C'est qu'est-ce que ça s'est nous fait souffrir là. On n'a pas dit que Jésus a forcément supprimé le fait qu'on va souffrir. Mais on dit, ça ne nous fait plus souffrir. Au contraire, c'est source de salut pour nous. C'est source de salut pour nous. Donc, on ne voit plus la souffrance de la même manière comme on la voyait avant. Non. Elle a été supprimée. On sait que pour nous, il n'y a que le Christ qui soit vrai. Les amis, les gens disent, on est témoins là. Il n'y a que le Christ qui soit vrai pour nous. Et quand on dit qu'on croit au Christ, ça veut dire qu'on est chrétien. Quand on est chrétien, ça veut dire qu'on croit au Christ. Et si on croit au Christ, ça veut dire qu'on a cru au fait que la croix a été supprimée. Et croire au Christ, ça veut dire quoi? J'ai noté ici quelque chose. Ça veut dire qu'on doit vivre par Christ. On doit vivre avec lui. On doit vivre en lui, par lui, avec lui et en lui. On doit vivre. Croire au Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se convertit chaque jour. Notre témoignage, ce matin, le Seigneur me disait, notre témoignage là, c'est pas comme si tu as regardé un film, c'est pas comme un film de novella, tu as regardé une fois, et puis tu racontes, et puis c'est fini. Non, hein? Il dit, notre témoignage là, on raconte ça chaque jour. C'est pas forcément avec des paroles, mais c'est aussi dans notre comportement de charge. On raconte notre témoignage du Christ là. Chaque jour, on le donne au monde. Jusqu'à la fin de notre vie terrestre, jusqu'à la fin de notre passage sur la terre ici. Donc, croire au Christ, être témoin de Jésus-Christ de Nazareth, si c'est vivre en lui, si c'est vivre par lui, si c'est vivre avec lui, ça veut dire aussi qu'on est mort avec lui et qu'on est aussi ressuscité avec lui. Et quand on dit qu'on est mort avec Jésus, ça veut dire qu'on est mort au monde. Donc, vis-à-vis du péché là, nous on n'existe plus. Vis-à-vis du péché là, nous on n'existe plus. Vis-à-vis du monde là, nous, on n'existe plus. Le monde ne nous connaît pas. Donc il dit, le monde ne nous connaît pas. On n'est pas intime au monde. L'amitié avec Dieu, l'intimité avec Dieu est inimitié vis-à-vis du monde. Si tu es ami du monde, tu n'es pas ami de Dieu. Si tu es ami de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas ami du monde. Les amis, c'est un choix. Il n'y a pas de peut-être. C'est un choix. C'est un choix. Oh, les amis, je veux nous emmener à être de véritables témoins du Christ. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. On parle beaucoup, mais on témoigne peu. On parle beaucoup, mais on témoigne peu. Je veux nous emmener à être de véritables témoins de cette résurrection-là. Parce qu'elle est vraie. Ce n'est pas de la fiction. Elle est vraie. Donc, ça veut dire qu'on est mort au monde. On est mort au monde et on vit en Christ. Et qu'est-ce que j'ai noté ici? Et quand on dit qu'on est mort au monde, là, je vous ai dit que Christ est mort. Mais il ne s'est pas contenté de mourir. Il est revenu à la vie pour nous donner la vie. Sa vie. Sa nouvelle vie qu'il vit là maintenant. C'est ça qu'il est venu nous donner. Donc quand il dit que tu crois au Christ, ça veut dire que tu meurs à lui et il te donne sa vie. Il te donne sa vie. Donc, crois au Christ, être témoin de Jésus-Christ de Nazareth, accepter Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie, vivre avec Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire entamer une nouvelle vie. C'est-à-dire marcher selon de nouveaux principes, comme j'ai noté ici. Et ces nouveaux principes-là, c'est ceux du Christ, ce n'est pas ceux du monde.
c'est ceux du Christ. C'est un renouvellement de mentalité. C'est un renouveau complet. Et j'ai écrit quelque chose qui est formidable ici. Vous savez, souvent on dit, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. Il ne s'agit pas de donner ta vie à Dieu. Parce que quand tu dis, tu as donné ta vie à Dieu là, tu es en train de dire, je suis mort au monde. Mais il ne s'agit pas de ça seulement. Il s'agit de prendre lui aussi sa vie. C'est là le vrai point. C'est en cela qu'on va voir que tu es vraiment converti ou pas. Il ne s'agit pas de dire, j'ai donné ma vie à Dieu. Il ne s'agit pas de ça. C'est un échange que vous devez faire. C'est pourquoi on dit, quand, si Christ est mort, c'est pour que nous on puisse vivre. Lui, il est mort. Comment il peut dire ça? Il est mort de notre mort pour que nous puissions vivre de sa vie. Il est mort de notre mort pour que nous puissions vivre de sa vie. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire, j'ai donné ma vie à Dieu, j'arrête ce que je faisais de mal. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter ce que je faisais de mal. Il s'agit d'embrasser toute cette nouvelle vie-là avec ces nouveaux principes du Christ. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça, d'embrasser toute cette nouvelle vie avec cette nouvelle mentalité, ces nouveaux principes, ces nouvelles lois. Ces nouvelles lois. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui je suis chrétien, tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, et puis, quand il y a une situation qui se pose devant toi, tu réfléchis comme quand tu réfléchissais avant que tu n'aies pas donné ta vie à Christ. Là. Où est la différence? Ou bien tu penses comme les gens du monde. Où est la différence, mon ami? En quoi est-ce que là tu es témoin du Christ? En quoi est-ce que... Parce que là, si tu ne réfléchis pas comme Christ, si tu ne fais pas comme Christ demande de faire, c'est comme si quelque part tu n'as pas cru. Et ton témoignage est faux. Et tu fais un contre-témoignage. C'est comme si c'est faux. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire, j'ai donné ma vie. Merci. Il ne s'agit pas seulement de dire, j'ai donné ma vie. Non. Il faut que tu prennes aussi la vie de Dieu. Que tu la reçoives dans ton cœur. Et recevoir la vie de Dieu, c'est-à-dire accepter de marcher selon les nouveaux principes. Ceux du Christ. Ce que le Christ va te dire de faire, là, ce que tu vas décider de faire maintenant. Que la volonté de Dieu devienne ta volonté. Et que tu ne vas pas prendre ta volonté pour faire de ça la volonté de Dieu. Parce qu'on est beaucoup comme ça à faire ça. On dit, on est chrétien, on marche. Et puis, on dit, j'ai prié. Dieu m'appelle, je sais. Mais qui t'a dit qu'il s'agissait de réaliser ta volonté? On prie, on impose des scénarios, des ossements à Dieu. Dieu n'a qu'à faire forcément comme nous on veut là. Dieu n'a qu'à faire ça forcément. Si Dieu n'a pas fait ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mon ami, être chrétien là, ce n'est pas exaucer ta volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de mon Père. Il n'a pas cherché à faire sa volonté. La preuve, le gars, il voulait mouiller à Gethsémané. Il n'était pas prêt. C'était chaud sur lui. Il a vu comment c'était compliqué. Il dit, Père, si c'est possible, c'est comme il veut là. Faut écarter, pardon. Cependant, c'est pas ce que je veux que tu veux faire. Je veux faire ce que toi, tu veux là. Mais s'il est possible, il faut éloigner. Mais... Faut pas réaliser ma volonté. Mais combien sommes-nous aujourd'hui? A dit qu'on est chrétien, mais c'est pas la volonté de Dieu, on cherche à faire. C'est nous maintenant pour volonté. Et puis on veut justifier ça avec des versets bibliques. On veut se justifier, on veut faire comme ci, on veut faire comme ça. Tout est relativisé aujourd'hui. On prend que ça nous arrange, on tourne ça comme ça. Et puis on dit que, voilà, c'est ce que Dieu. Les amis, il ne s'agit pas de ça. Nous devons être des vrais chrétiens, des vrais témoins. Il ne s'agit pas de faire de l'à peu près. Il ne s'agit pas de ça. Nous devons être des vrais chrétiens. Si tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, en même temps, ça veut dire que tu as aussi reçu sa vie. Ça veut dire en même temps que tu as reçu sa vie. Parce que nous, on a quelle preuve? C'est vrai que tu ne vis pas pour prouver que tu as vraiment donné ta vie à Dieu. Mais nous, comment on peut faire pour vérifier que tu as vraiment donné ta vie à Dieu? Parce que c'est quelque chose qui se passe spirituellement dans ton cœur et tout. Tu as parlé, tu as juste dit ça comme ça. Mais qu'est-ce que c'est vrai? C'est ce que tu vas faire au quotidien. Comment tu vas penser? Comment tu vas réagir devant les situations? C'est ce qui va nous interpeller pour qu'on puisse savoir que lui, il est chrétien. Et la preuve, comment on remarque un chrétien dans notre environnement? À sa façon de parler, à sa façon de raisonner, à sa façon de voir les choses, à sa façon de penser. C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de différent. Si ce n'est pas le cas, en quoi est-ce que nous serons témoins de Jésus-Christ ressuscité?
Mon point, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie à part entière. C'est pas un peu de la vie du monde, un peu de la vie de... C'est une vie à part entière. Et quand on parle d'une vie à part entière, je prends un exemple. Quand on dit il y a la vie professionnelle, mais la vie professionnelle, elle a ses codes, elle a ses standards, elle a ses prototypes, elle a ses protocoles, elle a ses façons de penser, elle a son langage et tout. Quand on dit la vie sentimentale, il y a aussi son langage, il y a aussi ses codes, il y a aussi ses règles, il y a aussi ses lois, il y a aussi ses manières de faire. La vie familiale, il y a ses codes et tout ça. La vie en société, il y a ses codes, il y a ses lois, il y a ses principes, il y a ses protocoles. Il y a le savoir-vivre, il y a le savoir-être. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ce n'est pas juste une vie comme ça. C'est pareil pour la vie spirituelle et la vie chrétienne en particulier. La vie chrétienne, c'est une vie à part entière. Elle a ses standards, elle a ses principes, elle a ses codes, elle a ses manières de faire, elle a ses règles. Et c'est quand tu adoptes ces règles, ces principes, cette façon de voir, cette façon de penser, cette façon de raisonner, cette façon de marcher là, c'est là qu'on dit que tu es chrétien. Parce que c'est celui qui se comporte comme un professionnel qu'on appelle professionnel. C'est celui qui agit selon les règles professionnelles là, qu'on dit les professionnels. Donc c'est aussi celui qui agit selon les lois chrétiennes qu'on dit les chrétiens. Celui qui agit selon les lois de la sorcellerie, c'est un sorcier. C'est comme ça que ça marche, les amis. C'est comme ça. Donc, il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Et puis même, tu ne marches pas selon les principes de Dieu. Tu ne marches pas selon les principes du Christ. Tu n'as pas la mentalité chrétienne. Tu n'as pas la façon de ta perception chrétienne. Tu n'as rien de tout ça. Tu le dis simplement de ta bouche. Tu le dis simplement de ta bouche. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça nous fatigue. Et à cause d'une parole de Paul, je pense que c'est Paul qui dit. Il dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses que Jésus-Christ est dans la reine des Seigneurs, alors tu seras sauvé. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu crois déjà fermement dans ton cœur pour que ce soit naturel et que ça sorte de toi. Mais vous savez aussi que l'homme n'agit qu'en fonction de ce qu'il croit fermement à l'intérieur de lui-même. Quelqu'un qui croit qu'il ne peut jamais réussir, il va agir comme ça. Il va, tout son comportement là, tout ce qu'il aura à faire comme action, il va penser que, il aura tendance à agir en conformité avec ce qu'il croit. C'est pourquoi on dit qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. C'est ce que tu crois là, à l'intérieur de toi-même là, c'est en fonction de ça que tu vas vivre. Ça, c'est un principe qui est établi. Que tu veux, que tu veux pas, ça fonctionne. Maintenant, nous, on dit on croit en Dieu. Si on dit on croit en Jésus et qu'on est véritablement ses témoins, vous comprenez que ça va de soi qu'on doit agir selon les codes de la vie chrétienne, selon l'enseignement du Christ. Ça va de soi. Et si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'est pas véritablement chrétien. Soit ça veut dire qu'on ne croit pas véritablement, ou bien peut-être qu'on est encore, je veux dire, à l'étape où on est en train de chercher à croire. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Soit on ne croit pas fermement, ou bien on est encore au stade où on est encore en train de chercher à croire, et qu'on ne croit pas véritablement, on a encore un peu des doutes et tout ça. Mais quand on est convaincu là, quand on est convaincu là, absolument, on agit en fonction. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est convaincu de ce fait-là. C'est une vie à part entière. Et nous, nous sommes des témoins du Christ. Le Christ est resté d'entre les morts. Et nous devons agir selon cette foi que nous proclamons là. Nous devons réagir. Nous devons agir, parler et réagir selon cette foi que nous proclamons là. Ça veut dire que oui, il y a des critères pour vérifier si quelqu'un est chrétien ou pas. Et c'est en cela que j'ai beaucoup aimé l'enseignement que le Berger Prince, Don Prince, a donné mercredi dernier. Il a parlé de rechercher les choses d'en haut. C'est un des critères.
Quand tu dis que tu es chrétien, là, tu ne vis plus pour la terre. Tu recherches les trésors qui sont en haut. Combien de chrétiens sommes-nous aspirés aux dons charismatiques, aux dons spirituels? Combien de personnes songent à « Ah, quand je serai avec Dieu, ça sera tellement extraordinaire. » Mais nous tous ici, là, on est en train de chercher, on va voir l'argent, on va voir notre maison. Et quand il veut me marier, ça sera trop chic. Et quand je vais travailler, et quand je vais faire ci. Les amis, on est chrétien? On est chrétien, hein? C'est un chrétien, là. On doit plus, en tout cas, si on est capable de penser à ce genre de choses-là, on doit être capable aussi de penser, « Ah, j'imagine, quand je serai auprès du Père, mais face à face avec le Père, qu'est-ce que je serai en train de faire? Waouh! » Il dit, « Ça doit toi-même, ça doit brûler en toi. Tu dois être zélé pour ça. Tu dois zélé, tu dois être plus zélé pour ça. À chercher à voir, « Hey, les anges, comment ça va se passer? Hey, j'imagine mon entrée. Hey. » Ça doit te motiver. Ça doit te booster. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas boosté par ça. Hein. Nous, on veut que Dieu nous donne beaucoup d'argent. On va bien se marier. On va payer nos voitures. On va payer nos maisons. On va faire les choses. Les choses de la terre sont mal. On ne pense qu'aux choses de la terre. Et puis, on va dire qu'on est chrétien. On vit quelque chose. Le Saint-Esprit même de donner offrande. Offrande même, vous donnez offrande même, on a du mal à se débarrasser de notre argent. On a accroché à ça comme ça. Un bien qui va passer. Pourtant, on dit que tu es chrétien. Dis que tu es chrétien. Tu crois au fait que Christ est mort ressuscité. Donc, il y a un bien plus grand qui t'attend là-bas. Mais tu n'es pas prêt pour te séparer d'un bien matériel. Ou bien de quelque chose qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta foi. Tu ne peux pas te séparer de ça. Tu vas dire que tu es chrétien. Non, il y a des critères. On doit rechercher les choses d'en haut lorsqu'on est chrétien. Ça prouve qu'on est véritablement témoin. C'est en ce sens que lorsque quelqu'un te fait quelque chose, tu n'as pas. C'est peut-être compliqué de pardonner de toi, mais oui, c'est normal parce que le pardon est divin. Mais ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être difficile pour toi de prendre la décision de pardonner parce que tu es chrétien. Peut-être que dans l'accomplissement ou dans la démarche, ça peut être compliqué, oui, parce que tu vas ressentir des choses, ça va te faire mal et tout. Oui, c'est normal. C'est normal parce que ton cœur aura pris un coup et tout ça. Mais prendre la décision de pardonner, là, normalement, ça va être compliqué. Parce que Jésus, il a pris la décision et il nous donne la force de prendre cette même décision-là. Il nous donne la force de prendre cette même décision. Quelqu'un t'a fait quelque chose, toi tu ne veux pas pardonner, tu es accroché à ça. Tu oublies que toi tu vis pour le ciel. Et que manque de pardon, là, c'est quelque chose qui détermine ton ciel. Tu ne pardonnes pas sur la terre. C'est sûr que demain quand tu as péché, quand tu vas revenir au lavant, tu vas te pardonner. Toi-même tu dis, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu dis que tu vis pour le ciel, que tu recherches les choses d'en haut, parce que tu es chrétien. En tout cas, tu es censé rechercher les choses d'en haut parce que tu es chrétien. Mais tu ne le fais pas, tu refuses de pardonner. En quoi est-ce que tu es chrétien? Où est la différence entre toi et puis celui qui ne connaît pas Jésus? Quel amour tu montres? Quelle preuve tu montres? Quel témoignage tu donnes? Les amis, être chrétien, on n'a jamais dit que c'est facile. Parce qu'il y a croix dedans. C'est vrai, on a supprimé la croix. Mais on a supprimé la douleur de la croix. Mais lui, il a dit, celui qui veut me suivre, qui prennent sa croix. Prendre sa croix là, c'est tout simple. Accepter de passer par ces petites choses là. Qu'on ne comprend pas forcément, qui sont difficiles peut-être à supporter pour notre nature humaine. Mais quand on pense à ce qu'on va vivre dans le ciel avec Dieu, en fait, on dit, les souffrances du temps présent sont rien comparées à la gloire à venir. C'est là que tu proclames ce verset là, parce que tu sais que tu recherches quelque chose de nouveau. Donc quand tu es chrétien, il y a un code. Tu marches sur un code, tu marches sur un principe, tu marches selon une règle de vie. Tu marches selon des choses bien précises. Et c'est ce qui prouve que tu es chrétien. Quand tu es chrétien aussi, tu n'as pas de rechercher les choses d'en haut. Je vais parler de quelque chose. Vous savez, quand tu es chrétien, ça veut dire que Jésus t'a appelé à la vie. Donc, il t'a donné sa vie. Et sa vie qu'il t'a donnée là,
elle n'est pas statique. Elle bouge, elle bouillonne, elle produit des choses. Elle produit des choses, elle produit des résultats. La vie de Dieu que Jésus nous donne là, elle produit des résultats. C'est pourquoi nous, cette année, notre thème, chez les amis du Christ, c'est notre slogan, c'est envie pour donner la vie. Nous sommes en vie de la vie de Dieu pour donner cette vie au monde. Parce que on ne peut pas rester statique. C'est pas possible. Comme on dit, c'est impeuvable. L'amour de Dieu nous presse pour donner cette vie qui est en nous là. De toute façon, ça reste en nous, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À rien. Ça va servir à rien. La preuve, pour vivre avec Dieu, il faut mourir. Ah, pour vivre en Dieu, là, il faut mourir. Donc, ça veut dire qu'il ne faut rien retenir pour soi. Il faut tout relâcher. Il faut être en mouvement. Il faut avoir des activités. Il faut être zélé. On doit sentir que ça bouge en toi. Tu dois produire des choses. Tu dois faire des choses. Tu dois marquer. Quand tu marques sa génération, ce n'est pas forcément dit les gens vont te voir et tout. Non, non. Tu dois laisser l'empreinte de la vie dans le cœur des gens. C'est-à-dire quand les gens sont avec toi, ils doivent avoir une c'est-à-dire, ils doivent se sentir pleinement vivants à côté de toi parce que la vie doit réjaillir de toi. Ils doivent sentir qu'ils sont en vie, qu'il y a quelque chose de particulier qui entre en eux, dans leur cœur, qu'ils ressentent, qu'ils ne ressentent pas dans le monde. Parce qu'il y a la vie en toi et tu dois la communiquer. Tu es en vie pour donner la vie. Tu es en vie pour donner la vie. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont là, on est timorés, on a peur, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. 1, 2, 3, c'est nous, on a perdu confiance en nous, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire... Les amis, la vie de Dieu la bouillonne. Ça doit bouillonner, on doit laisser quelque chose. Lui, il va aller me dire peut-être le problème de confiance en soi, ça touche le monde. C'est vrai. Mais la foi en Dieu là, ça arrête le problème de confiance en soi là, un coup. La foi en Dieu là, ça arrête le problème de confiance en soi là, un coup. Ça arrête le problème de la peur là, un coup. Ça arrête ça, un coup. En tout cas, quand tu crois vraiment en Dieu, on dit rien n'est impossible à Dieu. Tu crois en ce Dieu là, pour qui rien n'est impossible. Et il t'a même donné la preuve qu'il est ressuscité dans tes morts. Et tu dis que tu es chrétien, que tu es son témoin. Donc, tu ne peux pas être en train de dire, je suis témoin du Christ, donc je crois que rien n'est possible à Dieu. Et puis en même temps, tu as peur que ce que tu vas faire là, ça va marcher. Et tu crois que ce n'est pas possible que toi, tu peux arriver à faire quelque chose. Les amis, vous me analysez puis regardez que ça ne make pas sens quoi. It doesn't make sense. Ça ne marche pas. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas dire qu'en même temps, tu crois en un Dieu pour qui rien n'est impossible. Donc, tu as la possibilité de lui parler, de lui dire, puis il va faire ce que toi, tu crois impossible. Lui, il va faire, il peut réaliser ça pour toi. Tu ne peux pas dire que tu crois en un Dieu comme ça. Et puis, en même temps, te dire que ce que tu veux faire là, c'est impossible, que toi, tu ne peux pas faire. Ça ne marche pas. Il faut que tu bouges. C'est pourquoi, et ça sera mon dernier point, c'est pourquoi j'aime bien l'apôtre Jacques qui dit, la foi sans œuvre est morte. Tu ne peux pas dire que tu crois au Christ ressuscité, que tu es son témoin et que tu n'as aucune œuvre, tu ne fais rien. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des œuvres. Il faut qu'il y ait des choses qui prouvent ta foi. Des choses qu'on va voir dans ta vie, on va dire, tu crois vraiment. Il faut qu'il y ait des preuves de ta foi. Il faut qu'il y ait des preuves de ta foi. Ce que tu crois, ce en quoi tu crois, mais celui en qui tu crois là, il a fait des choses. Il a fait des choses, il a manifesté des choses, il a déployé des choses, il a été en activité. Toi, tu ne peux pas dire que tu crois en lui et tu ne fais pas au moins ce qu'il a fait. D'ailleurs, il a promis ça. C'est une des bénédictions de ceux qui sont chrétiens et qui croient en lui, qui sont véritablement ses témoins. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont guérir les malades. Ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ils vont parler des langues nouvelles. Ils vont faire comme ça, comme ça. Celui qui croit en moi, il verra les œuvres que j'ai faites. Et même encore plus grandes. Et encore même plus grandes. Mais nous, depuis, on dit on croit là-même. On a déjà fait quoi que Jésus a déjà fait. C'est quelle œuvre on a déjà produit. Mes amis, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles ou dans de vains discours, mais aussi en une démonstration de la puissance de Dieu.
La puissance de Dieu, ce n'est pas forcément dominer, c'est pas forcément tout. C'est aussi la puissance d'amour. La puissance de Dieu est une puissance d'amour. C'est comme ça. Donc, on doit manifester le caractère de notre Dieu. On doit produire des œuvres. On doit faire des choses. Notre foi doit nous conduire à faire des choses, à manifester des œuvres qui témoignent de cette foi-là. Sans ça, c'est comme si notre foi est morte. C'est comme si notre foi ne servait à rien. Donc, je veux interpeller chacun de nous à être de véritables témoins. Je veux inviter chacun à réfléchir vraiment sur sa foi, sur ce en quoi il croit véritablement. Et puis, qui se pose la question? Depuis que je suis chrétien, qu'est-ce que ma foi chrétienne m'a poussé à faire? Ou bien qu'est-ce que ma foi chrétienne me pousse à faire chaque jour pour que le monde voit en moi que Christ est vraiment mort et ressuscité? Qu'est-ce que je fais chaque jour pour que le monde voit au travers de ma vie que Christ est vraiment mort et ressuscité? Que chacun se pose la question. Que chacun réfléchisse là-dessus. Ça sera, je pense que la réponse sera déterminante ou bien déterminant dans le fait que on pourra facilement évaluer déjà le niveau de notre foi et puis notre niveau de témoignage. Parce qu'un chrétien aussi, c'est en même temps quelqu'un qui a une mission. Il a dit, allez par tout le monde, proclamez la bonne nouvelle et faites des nations mes disciples. Mais si tu ne produis rien, si tu n'as pas d'œuvre, ta foi ne te pousse pas à faire quelque chose pour les gens. Comment tu as fait pour faire des disciples? Tu ne pourras pas faire des disciples. Tu ne pourras pas faire des disciples. Parce que les gens ne vont pas voir ça dans ta vie. Ils ne vont pas voir. Oui, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais il nous donne la force de pouvoir témoigner de lui. Deuxième monde qui est bizarre. Vous voyez, dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle les martyrs. En fait, le témoignage, leur foi était tellement authentique qu'ils n'avaient même pas peur de mourir pour celui en qui croit. Ils sont allés jusqu'à la mort pour lui. Tellement ils étaient convaincus de leur foi. Ce sont des véritables témoins du Christ mort et ressuscité. Ils sont des véritables chrétiens parce qu'ils ne vivent pas pour la terre, mais pour en haut. Donc, j'invite chacun à réfléchir. Qu'est-ce que la résurrection du Christ te donne la force de faire chaque jour? Tu crois, tu dis que tu crois. Nous disons que nous croyons. Qu'est-ce que cette foi-là nous pousse à faire chaque jour? Pour que notre témoignage soit vrai, soit authentique et soit connu du monde. Parce que si notre témoignage est connu du monde, le monde aura une preuve de ce que Christ est vraiment mort et ressuscité. Et si le monde, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ont cette preuve-là, ont ce témoignage-là, ça sera le témoignage de l'amour de Dieu pour eux. Ils vont comprendre que Dieu les aime et que Dieu a fait un sacrifice pour eux. De sorte à ce qu'eux aussi soient sauvés et aussi qu'ils reçoivent la vie de Dieu en eux. Mais si on ne témoigne pas de Christ ressuscité, dans le quotidien de notre vie, avec ce qu'on peut faire, le monde n'aura pas ce témoignage. Et s'il n'a pas ce témoignage, il va continuer de croire que Dieu ne l'aime pas. Il va continuer de croire que Dieu n'existe pas. Il va continuer de croire que Dieu n'est pas avec lui. Il va continuer de croire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il va continuer de croire que sa vie ne se limite qu'à la terre. Il va continuer de croire qu'il n'y a pas une vie après la mort. Il va continuer de croire. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va vivre pour lui-même. Donc son ego va se manifester. Et quand son ego se manifeste, imaginez, chacun veut se satisfaire lui-même. Imaginez là où on s'en va. Le règne de Dieu n'est pas établi. Chacun cherche à établir son propre règne. Et on est prêt à tout. Tuer l'autre, faire du mal à l'autre, pour que nous, ce que nous-mêmes on veut là, ce soit là. Mais si on apporte notre témoignage, on manifeste de l'amour aux gens. On est témoin du Christ ressuscité. Si on a beaucoup d'argent, mais beaucoup d'habits, qu'on leur partage, ils sont touchés par ça. Ils savent que c'est tout ce qu'on dit dans la Bible là. Là, les chrétiens, ils touchent ça du doigt. Ça fait que pour eux, ce n'est plus de l'utopie. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une fiction, que c'est vrai. Parce qu'ils vont voir des gens qui le vivent. Ils vont voir ces résultats-là dans la vie de ces personnes-là.
Parce que ces personnes-là auront été de véritables témoins. Donc, c'est le message que je voulais vous partager. Vous dites, nous sommes témoins du Christ ressuscité. On n'est pas témoins d'un autre Christ. Et puis, on n'a pas un autre témoignage. En tout cas, si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est du Christ ressuscité que nous devons témoigner. Et témoigner du Christ ressuscité nous conduit à faire les choses. Donc, à répandre sa vie qu'il nous a déjà donnée. À répandre sa vie. Donc, tu es en vie. Christ a donné la vie pour que toi aussi, tu donnes la vie à quelqu'un. Pour que toi aussi, tu transmettes cette vie à quelqu'un. Mais pas pour que tu restes au ton coin. Pas pour que tu restes là comme ça à penser qu'il y a une catégorie de personnes, c'est eux qui n'ont qu'à faire. Et puis toi, tu es là, de ton coin, et puis tu ne fais rien. À ton propre niveau. Non. Non. Parce que de toutes les façons, si tu ne fais rien pour le royaume de Dieu, tu es en train de continuer à avancer du royaume de Satan. C'est comme ça. Il n'y a pas au milieu. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, être à l'écoute des uns et des autres, de ceux qui ont besoin de parler. Il faut que tu sois à l'écoute. Si c'est ce que tu peux faire, fais-le. Si c'est donner ton argent pour contribuer à l'avancée d'une œuvre, d'un ministère, d'une communauté, fais-le. Si tu as envie d'acheter des bibles pour aller prêcher aux gens, fais-le. Si c'est préparer, donner la nourriture aux gens, pour leur témoigner de l'amour de Dieu, de la sollicitude de la miséricorde, du fait que Dieu peut aussi leur envoyer à manger, même s'ils n'ont rien demandé, fais-le. Fais-le. Si c'est aider quelqu'un à se sortir, à déployer son potentiel et tout ça, fais-le. Si c'est encourager quelqu'un, fais-le. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Ta foi doit te pousser à faire quelque chose. Si ta foi ne te pousse pas à faire quelque chose, pose-toi la question, est-ce que tu crois vraiment en Christ ressuscité? Est-ce que tu y crois vraiment? Parce que si tu crois vraiment en Christ ressuscité et que tu as vraiment accepté cet amour de Dieu pour toi, Paul dit l'amour de Dieu nous presse. Ça veut dire que tu ne peux pas rester en place. C'est quelque chose, c'est une trop bonne nouvelle. Le Saint-Esprit veut que tu ne peux même pas t'asseoir sur place. Il bouillonne tellement toi, la vie de Dieu bouillonne tellement toi que tu es obligé de la répandre. Tu ne peux pas rester là, toi, seul comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te bouges. Donc, je veux parler à nous jeunes qui disons que nous sommes chrétiens, qui avons cru au Christ. Je sais que nous sommes sincères dans notre zèle, dans notre foi. Je sais que quand nous disons que nous croyons Dieu, on le croit. Je sais que nous sommes sincères dans notre foi. On le voit dans nos adorations, on voit. En tout cas, moi, je sais, je vois. Nous sommes sincères, nous croyons. Mais les amis, ne nous arrêtons pas simplement aux choses qu'on fait à l'église. Ne nous arrêtons pas seulement aux choses qu'on habite. On va jouer, on va adorer, on va faire. Si c'est ça aussi que tu peux faire pour aider les gens, fais-le. Si c'est ta manière à toi de répondre à la vie de Dieu, fais-le. Fais-le bien. Si tu as un talent, un charisme, quelque chose, un don, ou quelque chose, tu as remarqué, fais-le. Fais-le, mais ne reste pas là comme ça, à regarder les gens, à ne pas porter un témoignage. Non. Un chrétien doit être la personne qu'on a envie de côtoyer. Parce que tout le monde a envie de côtoyer Dieu. À moins qu'il n'y ait un bug dans ton cerveau, ou bien dans ton cœur, pour que tu aies envie de partir côtoyer Satan. À moins qu'il y ait quelque chose qui t'aveugle, qui fait que tu n'as pas. Sinon, naturellement, nous tous là, tous les hommes veulent aller vers Dieu. Naturellement, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, si nous, on a choisi de renforcer cette volonté et ce désir d'être de retourner vers Dieu, ne restons pas là comme ça. Apportons nos témoignages chaque jour au monde, afin qu'ils voient que vraiment Christ n'est pas mort, que Dieu n'est pas mort, qu'il est vraiment vivant, et qu'il continue d'être vivant, encore même plus vivant, dans un environnement où partout on parle de la mort, on parle de la fatalité, on parle des choses qui ne sont pas possibles. Nous, en tant que chrétiens, nous devons apporter le langage de la possibilité, le langage de tout ce qui est possible, le langage de la foi, de ce que Dieu peut tout faire, de ce que Dieu peut tout réaliser, de ce que Dieu peut le faire. Parce que nous savons que c'est un Dieu qui a vaincu la mort et avec qui rien n'est impossible. Donc que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde la foi. La foi authentique qui nous emmène à témoigner du Christ dans l'environnement de notre vie, dans le quotidien de notre vie. Vraiment que Dieu nous y aide. Que ce soit du genre qu'on n'est pas trop à dire qu'on est chrétien, mais que les gens eux-mêmes constatent qu'on est véritablement chrétien. Et que ce soit une question que les démange, qui vient dire, mon frère, je veux te demander s'il te plaît, tu es chrétien? Parce que ta façon de faire là, c'est pas comme, c'est différent. C'est différent.
Et puis, je veux rassurer quelqu'un. Si on t'a déjà appelé ma soeur, mon frère, mon père et tout ça, c'est la preuve que tu es sur la bonne voie. Faut pas forcément t'enregistrer ou t'enorgueillir. Mais c'est dire que tu as commencé à manifester quelque chose dans ta vie. Tu as commencé à montrer quelque chose dans ta vie que tu ne montrais pas avant, qui ressemble à Christ, qui ressemble à ceux qui sont avec Christ, qui sont trop dans la haute spiritualité, qui sont intimes à Christ. Que ce soit pour toi un encouragement, mais que ce ne soit pas pour toi un motif de découragement. Il faut que tu sois encouragé. Si on t'appelle mon père, mon pasteur, mon frère, tout ça, oh le saint, la sainte, toi tu veux dire quoi? C'est une preuve. Pas forcément très suffisante, mais c'est quand même une preuve du fait que tu as commencé à être témoin dans ton comportement de chaque jour, dans ta manière de parler, dans ta façon de faire, dans tes habitudes que tu l'as montré. Donc, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne assez de foi, qu'il raffermisse notre témoignage et que notre témoignage soit vrai et authentique. Je vous donne ces dernières paroles. Dans l'Apocalypse, on dit qu'ils ont vaincu grâce aussi à la parole de leur témoignage. Ça veut dire que le témoignage est puissant. On peut vaincre le diable avec le témoignage. On peut vaincre le diable avec le témoignage aussi. On peut confondre le monde avec aussi notre témoignage. Pas seulement avec une attitude spirituelle tout le temps, mais aussi avec quelque chose de vrai, d'authentique. Si c'est la sagesse que toi tu cherches, demande à Dieu, il va te donner. Si tu veux être intelligent, tu vas supplanter la sagesse du monde. Que Dieu te bénisse. Je crois qu'on va prier juste un moment. On ne va pas durer dans la prière. On a suffisamment adoré. Je sais que le Saint-Esprit a fait du bien au travers de ce message. Si tu regardes aussi cette vidéo après, je sais que le Saint-Esprit te fera du bien au travers de ce message-là. Donc je prie, je ne t'accuse pas du fait que tu ne sois pas véritablement témoin. Je ne veux pas que tu retiennes ce côté-là, mais je t'invite plutôt à être un témoin authentique et vrai, à montrer véritablement ton témoignage dans le monde. Donc nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Je vais juste mettre un cantique pour que nous puissions prier ensemble. C'est juste le nom de Jésus. Je pense que c'est le meilleur témoignage qu'on peut dire. Quand on n'a plus de mots, son nom seul suffit à apporter le plus gros témoignage. Donc pendant que ce cantique passe, et tu entends, je veux que tu te disposes et que tu pries dans ton cœur. Prie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et demande à Dieu de se révéler au travers de ta vie, afin que ces personnes-là, s'ils sont en contact, si elles sont en contact avec toi, elles puissent voir le visage de Christ, elles puissent rencontrer Christ au travers de ta personne. Prie aussi pour qu'il y ait des personnes pointes qui partent annoncer l'évangile, prêcher la bonne parole de Dieu, manifester l'amour de Dieu, pour que ces personnes aussi croient. Affermis-nous dans notre foi. Que nos témoignages soient authentiques dans ce monde. Nous savons que ce n'est pas une fiction, mais que tu es une réalité pour nous. Tu es une vérité absolue, même pour le monde, et même pour ceux qui ne croient pas. Père éternel, manifeste-toi et révèle-toi au travers de nos personnes, au travers de nos actes, au travers de nos paroles. Les beaux charababababa, qui les beaux sont les beaux chanalabri. Mais qui n'a la beau rabababababa, chez les beaux si à talababa. Les beaux combalaba, yo marababa, chéti. Oui, c'est le Seigneur de l'univers. Accorde-nous la grâce d'apporter des témoignages très authentiques, afin que le monde reconnaisse que tu es le Seigneur de l'univers. Les beaux charababababa, les combalaba, yo marababa. Affermis toutes les personnes qui marchent à ta suite. Père éternel, qu'aucune situation douloureuse ou compliquée ou aucun souci de la vie ne puisse les décourager, ne puisse les écarter du chemin qu'ils ont choisi. Mais que ces situations puissent les affermir davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, que aussi les bons moments ne puissent pas nous éloigner de toi. Beaucoup au contraire, que ces bons moments que nous allons vivre puissent nous rapprocher de toi. Les beaux chanarabaye, que les beaux chatalabé. Mes chanarababababa. Les sorebo kontalabababa. Mes canalabroche, que les beaux yontarabababa. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Marabalo barakatalabé, chekete. Les sorabababa. Eko marabababa. Les sorabababa. Oui, ta foi peut produire des miracles. Ta foi aussi peut produire des miracles. Ta foi aussi peut produire des miracles. Nous sommes dans une saison où le Seigneur est disposé à faire des signes, des merveilles, des prodiges extraordinaires. Alors ne te retiens pas. Prie si tu veux voir des prodiges, des signes, des miracles. Ta foi peut les produire. Ta foi en Christ peut les produire. Ne doute pas du fait que Christ peut le faire avec toi. Toi aussi, tu peux produire. Tu peux produire ces signes et ces merveilles. Tu peux répondre à la vie de Dieu au travers des miracles qu'il va faire dans ta vie ou au travers de ta vie. N'aie pas peur, n'aie pas honte, sois audacieux et prie. Prie le Seigneur qui te remplisse de foi et d'audace. Que sa puissance et la puissance de l'autorité de son nom descendent dans ta vie. Dans ta vie, afin que tu puisses manifester cette autorité au quotidien. Masharababa, lebro sakasalababa. Leko maramaye goshe telebaba baba. Le sorababa eke telebe. Que par ta vie, les gens voient Christ. Que par ta vie. Les gens entendent Christ parler. Que par ta vie, les gens touchent Christ. Les bosha, rababa, les brosa. Les kena, rababa, les kalabushata. Oui, nous faisons partie de cette nouvelle génération qui sont des témoins authentiques de Christ, de la mort, de la résurrection de Christ. Notre témoignage n'est pas vain. Notre témoignage n'est pas vain. Et notre témoignage est authentique, il est vrai. Nous l'apporterons au monde afin qu'il soit confondu, afin qu'il soit confondu. Et qu'ils acceptent Christ, oui, à cause de notre parole, à cause de notre vie, ils accepteront Christ et donneront leur vie à Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Et rendez-vous, n'oublions pas, rendez-vous mercredi prochain. Montagne de la Transfiguration, sur cette même page, restez connectés. Et que le Seigneur nous bénisse. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si tu n'as pas encore liké la page, like. Abonne-toi pour que tu puisses recevoir les notifications chaque fois que nous serons en train de faire un direct, chaque fois que nous serons en train d'apporter un message comme ça pour répondre à la vie de Dieu. Donc, n'hésite pas à te connecter, à t'abonner, n'hésite pas à partager. Que Dieu te bénisse, passe une excellente nuit et encore bonne fête de Pâques, bonne fête de la résurrection du Christ. Sois un témoin authentique du Seigneur. Amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.